Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Horizon Zero Dawn et nous sommes partis à la conquête d'un camp de bandits, si j'ai bien compris. Donc on va aller parler à Neil, il y a le camp de bandits qui a l'air... Camp de sauve du démon, c'est ça. Camp de bandits niveau 7. Mais écoutez, on va y aller, on va aller voir Neil. Et puis voilà, dans la vidéo précédente, on avait pas mal essayé d'évoluer, enfin on a pas mal essayé de faire évoluer notre petite Aloy. Elle a pris pas mal de trucs quand même. On a réussi à quand même lui trouver des trucs sympas. On a augmenté les sacoches. Et puis... mais pourquoi il me dit que c'est là alors que... Alors qu'il est là, quoi. Il est là, non? Ouais, bah je vais pas me faire chier à prendre le chemin, j'ai qu'à prendre le... Voilà. Oh là là, mais quelle force! Varl a parlé d'un camp de bandits, dans des ruines de métal. Ça doit être cet endroit. Je ferais mieux d'être prudente. Dis-moi tout. Content de te voir. Ah oui? Pourquoi? On a un intérêt commun. Je m'appelle Neil. C'est cool. Rien à foutre. Regarde, les vieux rochers. Une bande de bandits est cachée dessous. On bouge les rochers et ils se mettent à courir en tous sens, comme des punaises. Des bandits. Qu'est-ce qu'ils font ici? Les Nora ont de gros ennuis. Et les nouvelles vont vite, tu sais. Quand il n'y a pas de braves pour garder les frontières, ça attire les tueurs en mal d'excitation. On les a traqués pendant des jours avec mon associé. Excellent pisteur. Mais il a voulu partir sans moi. Il savait ce qu'il attendait s'il faisait ça. Mais bon, je comprends. À trop patienter, on ne résiste plus à l'appel de l'action. Tiens, ça te dirait qu'on s'associe sur ce coup-là? Pour les tuer? Mmh. Je ne te connais pas. Et je ne te fais pas confiance. Ah, la confiance. C'est rare de nos jours. Je ne suis qu'un voyageur. Avec un arc qui se soucie de la sécurité de ses lieux. Par contre, j'adore son casque. Et qui n'a plus d'associé. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Bon. Laisse-moi te poser une question. Es-tu un bandit? Bien sûr que non. Alors tu n'as rien à craindre de moi. Allez, oh, j'ai envie de lui faire confiance. Il faut bien que quelqu'un mette un terme à leurs ambitions. Ça sera à nous. Ils ne pourront plus faire quoi que ce soit. Y compris vivre. Je te propose de passer devant. J'ai vraiment hâte de voir ce dont tu es capable. Alors, c'est parti. Ça a l'air intéressant. Est-ce qu'on a des bonbons? C'est l'alarme. Laissons-les faire, ça attirera les renforts. Une bonne chose. Et si tu te sens l'âme héroïque et que tu veux faire du zèle, il y a les prisonniers. Les tresses vont être trempées. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, mais t'imagines même pas comment... j'ai une question, est-ce que je pourrais monter là-dedans? J'ai envie de tester un truc. Est-ce que je pourrais monter là? Pour essayer d'avoir une vision globale du truc. Ouais, elle veut pas grimper là? Ah c'est dommage, je voulais être sur un... Sur un point plus haut pour essayer de voir. Je suis sûr qu'il y a moyen de monter, non? Y a rien pour s'accrocher? Oh, c'est dommage. Oh, c'est vraiment dommage. Alors. On va se la jouer tranquille. Là, t'en as un. Il m'a dit... C'est quoi le truc de l'arme qui m'a parlé? Ils sont tous là. Là, je pense que je peux y aller par là. Voilà, comme ça on nage tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Sors! Je veux mourir. Attends, elle veut... Attends, tu déconnes ou quoi? Elle veut pas sortir là? Attends, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah ouais, ouais, je me disais aussi.
Ouais. On va se prendre ça, on va se prendre ça, on va se prendre ça. Voilà. Il y a pas mal d'ennemis. Ah d'accord, ouais, bon, on va oublier la fuchu, hein, c'est pas la peine. Ils sont là. Ouh, headshot. Ça s'appelle des réflexes. Voilà. Enfin, j'ai envie. Ah. Vite, reviens. Ah, il m'a trollé là. Putain, il est où, il est où, il est où, il est où. Fuck, là, il m'a niqué. Voilà. C'est quoi? Alors, c'est pas si compliqué que ça, ça va. Je m'attendais vraiment à un truc. Ah, je crois qu'elle a pas voulu mourir sur le moment. Une flèche à nord. Une flèche à nord. Ah, non, il n'y a pas eu d'homme. Ah ça va, en fait t'as juste à te poser à l'extérieur. Tu te poses à l'extérieur, tu les attends. Fuck, t'as eu de la chance. Toi t'as eu beaucoup de chance. Voilà. Ah, voilà les prisonniers. Attendez, je fouille un petit peu, hein, tant que je suis là. Ils n'ont pas grand-chose sur eux. Alors... Laissez-moi vous ouvrir. Voilà. Tout va bien, je vais vous libérer. Voilà... Ouais, d'accord. Il y en a d'autres là. Mais dégage. J'aimerais bien lui envoyer dans la face, mais... Ça doit pas prendre feu, ça? Oh, c'est nul. Putain, elle est où? Fuck. Allez, come on. Come. Come with me, my friend. Tu disais? Excuse-moi, j'ai pas bien percuté ce que tu voulais me dire. T'es morte avant que je comprenne. Ah non! Non, merde, je suis désolé mon pote, désolé. C'est ce système de jeu qui est pas top. Là, hop. Voilà. Là. Voilà.
Ah. Essaye de trop le faire. Ah. Ah. Oh. Bah non, c'est pas drôle. C'est bon ou pas? Ah bah voilà. Il suffit de savoir bien tirer. Ça passe généralement. Alors, heureuse? Chercheuse, puis-je vous parler? Bah ouais, fais. Fais donc. Quel honneur. Je... Loué soit la toute mère. Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? Oui. Mes amis et moi, on vous a vu éliminer les bandits du campement. C'est bien. Ils nous volaient sans arrêt. Ils nous pourchassaient la nuit en riant. Nous, vous savez, on n'est pas des braves. On n'a rien pour se défendre. D'où est-ce que vous venez tous? Certains errent sur les terres sacrées depuis des années. Quant à moi, le village où j'ai grandi a été brûlé pendant les raids rouges. Je regrette tellement de ne pas avoir été là pour les protéger. Mais j'étais un paria bien avant l'arrivée des Karja. Comment avez-vous pu vous retrouver tous ici? Vous ne comprenez pas qu'on parle entre nous alors que la loi l'interdit. Bah, mais si, comment on aurait pu s'en sortir, hors de l'étreinte et sans l'aide de personne? Ce n'était pas une critique. J'étais une paria aussi. Désolé, j'ai tendance à m'emporter vite. Je les ai convaincus de parler. Je leur ai dit qu'on nous avait condamnés au bannissement, pas à une mort certaine. Pas bête comme raisonnement. Ok. Mais pourquoi as-tu été banni? J'ai été bête. J'ai refusé d'obéir aux ordres. Je préférais me reposer sous un arbre plutôt qu'aller chasser. Je me disputais sans cesse avec ma famille. Je me battais avec les braves. Un jour, les choses ont mal tourné, à vrai dire. J'ai eu un coup de chance. Ou plutôt de malchance. Il est mort. Et plus personne n'était là pour me défendre. La vérité, c'est que je mérite d'être un paria. Tu ne ressembles pas à la personne que tu décris. Merci, je l'espère bien. Allez. On est tous des parias, mais on doit rester ensemble pour survivre. Ce campement qu'on détestait tant pourrait nous être utile. Est-ce qu'on peut rester ici, même si ça va à l'encontre des lois et des matriarches? Bien sûr, je vous en prie. Oh, c'est ce que j'espérais. Vous êtes un modèle pour nous tous. Merci. Ok. Tiens, il y a marchand là. Qu'est-ce que tu vends de bien? En fait, j'hésite vraiment à vendre mes trucs parce que ça a l'air super intéressant. Mais j'hésite en fait à vendre. Je sais pas si je dois garder, je sais pas ce que je dois garder. Oh, les trucs comme ça, pack de déplacement rapide, c'est intéressant, mais ça vaut que dalle, quoi. Les trucs qui valent, c'est des trucs comme ça, et j'ai l'impression qu'il faut que je garde pour craft. J'hésite vraiment à acheter les trucs, en fait. Oh putain, il était sacré tenu, hein. C'est laquelle que j'aime bien? Celle-là, elle est chouette. Mais il faut un cœur de testudien. Sinon, celle-là est pas mal, hein. Survivante Noralouan. Elle est top. Ouh, celle-là encore mieux. Mais il me faut des trucs, quoi. Non, je sais pas. Ça peut attendre. Voyons, qu'est-ce qu'il propose maintenant, du coup, le camp? Parce que maintenant que j'ai libéré le camp... Ah oui, d'accord. Ok. Il te met automatiquement camp du sauvegardement terminé. Ok. Mais je vais aller sauvegarder. L'entrée. Le feu était là-bas. Au moins comme ça, je suis peinard. Ça c'est fait. Eh, tiens, hop. Il n'y a pas de coffre ou de truc comme ça, non? On dit qu'elle s'est battue avec la férocité d'un Dancy. Si tu le lis. T'as certainement des coffres ou des trucs comme ça, non? Parce que tout à l'heure, je suis pas venu, mais... Je suis venu juste défoncer des gens ici. T'aurais pas un truc pour monter, non? T'as pas un... Ah, ben voilà. Ben voilà. Suffisait de demander. Tiens, y'a rien d'autre.
Alors, c'est que c'était le lit du gars qui gardait le machin. Ah, t'as un escarpate là. Y'a pas moyen de monter plus? Je pense pas, non. Ah! Petit coin de torture. Ah, ils étaient bien, hein! Ils étaient bien. Là, moi, c'est en face que j'ai envie de monter, là, jusqu'en haut, là. Ça, chaque fois que j'ai des trucs comme ça me donne envie de monter. Fuck. Bon, allons parler à Neil. C'est agréable, tu trouves pas? Garde encore un peu la sensation en toi, puis relâche tout. Il est bizarre, ce mec. Non, j'ai pas trouvé ton associé. Ils l'ont tué. C'est pas vraiment une surprise. Déjà au dernier campement, il commençait à se montrer un peu trop sûr de lui. On en avait parlé pourtant. On ne vient pas tuer pour tuer, mais pour le défi. Mais c'est pas grave. Je peux très bien me débrouiller sans lui, tant que mon fidèle cantique mortel m'accompagne. Ton arc a un nom? Oui, pourquoi? Tu n'es pas qu'un voyageur. Cette armure a été faite pour toi. Et la façon dont tu tiens ton arc... Un voyageur averti, disons. J'ai été soldat pendant bien plus longtemps que la guerre n'a duré, si tu saisis. La pointe de la flèche qui traverse l'armure et se fiche dans la chair, c'est mon paradis à moi. Je cherche des occasions de la... Complètement allumé, son mec. Une quête spirituelle. Je l'aime bien. Tu n'as jamais pensé à chasser des machines? Ah, oh, les machines. C'est pas pareil. Des bandits t'ont fait du tort? Ils nous font du tort. Ils sont méprisables. Et leur mort doit l'être tout autant. Donc tu les traques pour aider les gens? Oh non. Pour le plaisir? Pour le plaisir. Je vais pas attendre qu'il y ait la guerre. La vie est bien trop courte et la mort vient trop vite. On tue quelqu'un d'honnête, sa tribu veut se venger, un sanglier, et on nous dit qu'on gâche de la viande. Mais les bandits, c'est des vraies saletés. Ça fait toujours un bon combat. Et ça dérange personne s'ils meurent. C'est un raisonnement tordu, ouais, c'est clair, mais non, j'ai envie de faire ça. Disons que tu fais ce qui est bien pour les mauvaises raisons. Je fais ce que j'aime. C'est la meilleure des raisons possibles. On a terminé. Oui, j'en ai bien peur. Mais nous vivons dans un monde de ruines et les bandits se jettent dessus comme une infection sur une plaie ouverte. Tu ne vas pas laisser l'infection se répandre quand même. Je sais qu'on se reverra. Peut-être, si j'ai pas le choix. Et même si je ne te vois pas, je reconnaîtrai ton œuvre. Bon, ben voilà, la vengeance de Nora. Donc ça, c'est ce truc qu'on a fait. Le camp est passé, récompense de quête 5000 XP. J'espère qu'on est passé de niveau, quand même. Même pas. Ah ouais, non, même pas. On a toujours un point de compétence à choper. Quête, voyons, active la vengeance de Nora principale. Est-ce qu'on a encore des quêtes annexes? L'armure antique, mais c'est beaucoup trop tôt pour la faire. 25, j'ai que niveau 12. Bon, on va faire la... C'est fait quoi ça? Parler à Maria, la couronne de la mer. J'ai pas fait ça? Tu déconnes. Ah ouais, non, c'est ça, c'est là. Et puis après, il y a la quête là. Oh, mais on va aller faire ça. La couronne de la mer, on va aller faire ça, ouais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que... Ça, on dirait un truc de corruption. C'est le même symbole que la corruption, donc... Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je pourrais me TP, mais j'en ai pas l'utilité. Écoute, on va aller faire ça, de toute façon, c'était ça qu'il fallait faire. J'ai plus de monture? J'ai plus de monture, d'accord, c'est pas grave. Je me rends compte que je suis bon quand même. C'est le mec qui s'en va des fleurs. Ouais, je suis pas mal en fait. Ouais, je m'en vais des fleurs.
Non, mais j'essaie de choper de la bouffe parce que je me suis rendu compte qu'il y avait. Il y avait besoin. Ouais, des brouteurs. Il y a pas des morceaux. Ah. Sinon, c'était pas un. Il me faut de la viande. De la viande pour améliorer les trucs. D'accord, il y a la. Une lumière rouge. Fuck, je pense avoir le temps. Alors, de l'eau de bouffe, de la bidoche. Veilleur, machine détruite. Bidoche. Sans doute. Je pense que j'ai assez de viande, je vais pouvoir améliorer des trucs. Où est-ce que je suis là? Ah, je me suis éloigné, je suis désolé, je me suis éloigné, je suis revenu sur mes plats. Alors attendez, maintenant qu'on peut artisanat, capacité de stockage. Ah, j'ai que 2 viandes grasses? Ah, je pensais en avoir plus, bon c'est pas grave, on va continuer de chasser sur le chemin, c'est pas un souci. Comme ça au moins on monte un peu toutes les sacoches, ça aide, hein. Franchement ça aide d'avoir tout ça. Chaque fois j'oublie de faire le R1, qui est coup critique. C'est dommage, faudrait que je le fasse ça plus souvent. Alors viande grasse. Ils ont pas l'air méchants eux. Tiens, po, t'as vu comment t'as pris cher? Bon, tant pis. Salut. La couronne de la mer, ça ressemble plutôt à une base militaire. Il a dû connaître des jours meilleurs, ce village. Je n'oublierai pas les lois des matriarches. Tous ces blessés. La tribu a été durement frappée. Chez eux, dans leur forteresse. Ouais. Salut. La propagation de la corruption. C'est elle, la chercheuse. Nous sommes toujours approche, les Nora. Laisse-moi t'en bien chercher. La corruption a gagné sortir de la vie. Terrain. La fille est la marque de chercheuse. Les sentinelles t'ont vu arriver. Tu es Maréa? Varl a dit que tu savais comment aller à Méridian. La capitale Karja? Il faut que tu ailles vers l'ouest. Mais leurs soldats t'arrêteront bien avant que tu n'arrives sur place. Qu'ils essaient. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'Est et l'Ouest. À ce qu'on dit, les Karja ont bloqué leurs portes, par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées. Alors si j'élimine les machines corrompues, ils rouvriront? Sûrement. Mais je n'ai pas de braves pour t'aider. T'inquiète, je gère. Je peux me débrouiller. T'inquiète, je gère. Nettoyer la vallée? À toi toute seule? Popo, tu peux... J'ai mon arc. Si tu le dis. J'aime bien le j'ai mon arc, tranquille. Sois prudente, quand même. Ça se fait.
Jusqu'où s'étend la corruption? J'ai vu des machines corrompues au nord de la vallée. Et à ce qu'on m'a dit, il y en aurait au sud aussi, oui. Quelle qu'en soit la nature, elle n'affecte pas que les machines. Elle brûle les chairs et rend malades les blessés. Ces machines corrompues ont des points faibles? Le feu semble les affecter plus que les machines ordinaires. C'est peu de chose. Seule la déesse pourra nous délivrer de ce fléau. À moins qu'on découvre d'où ça vient et qu'on y mette un terme. Les matriarches ont parlé, Aloy. Nous ne pouvons que combattre et prier la déesse. Ouais. C'est toi qui es responsable de la défense? La couronne de la mer sait se défendre. Pendant la guerre, nous avons survécu à 15 attaques et 3 invasions. Nous tenons bon. Tu me donnes? C'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait de nouvelles victimes. Tu l'ignores sans doute, mais j'ai gagné l'éclosion, moi aussi. Comme toi, le début a été dur, j'ai dû trouver un raccourci. J'ai failli échouer. J'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée. Ce n'est pas l'éclosion, Maria, c'est la vraie vie. Tu ne comprends pas. Être envoyé à la couronne de la mer, c'est moi qui en ai fait la demande. C'était ma récompense. Honorer la gloire d'Enora ne m'a pas encore tué. J'en serais heureuse, si ça arrivait. Ils sont tous baisés dans le jeu. Donc il y a la forteresse Karja à l'ouest, et après, Méridian. Oui, les Karja l'appellent le rempart. Ce n'est pas loin du village abandonné. Quel village abandonné? Il avait un nom, mais on l'a oublié. C'est là que je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Les Karja l'ont détruit pendant un des raids rouges. J'avais 15 ans à l'époque. J'ai pu fuir, mais d'autres ont eu moins de chance. Les Nora ont laissé libre la vallée, pour venir ici, à la couronne de la mer. De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée. Comme une zone grise entre l'hélium et nos terres sacrées. La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. Vous voyez souvent des étrangers? Oui. Pas ici, au village, bien sûr. Dans la vallée, derrière. Depuis la fin de la guerre, la vallée accueille les étrangers, qui commercent avec les Nora, s'ils le veulent. C'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu. Si ça t'intéresse, va au refuge des chasseurs. C'est plus une série de cabanons et de tentes qu'autre chose, mais c'est un point d'étape pour les étrangers. Le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridian. Ok. Il faut que j'y aille. D'accord. Sois très prudente, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Tant de victimes. Bon. Et on ne sait toujours pas qui a envoyé ces assassins. Certaines choses nous dépassent. Sécuriser les zones corrompues. Il y a d'avoir pas mal de choses à faire ici. Alors attendez, parce que... Voilà, merci. Donc on a deux zones corrompues, d'accord. On a la zone corrompue là, on a la zone corrompue là. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah non, d'accord, il y a trois zones corrompues. Donc il y a la forteresse. Ça doit être la fameuse forteresse dont il parle. Là, il y a un grand coup. Ça, je me demande si c'est pas Méridian, ça. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Hein. Donc, il y a des zones... Ok, donc ça, on pourrait faire ça après. Mais il y a encore des choses à faire, par exemple, comme le truc des chasseurs, là, la zone de chasse. Ça serait intéressant, je suis sûr que ça va m'octroyer des trucs. Et je serais curieux de revenir là, niveau 15. Ah mais non, d'accord. Quoique je suis niveau 12, là. Niveau 15. Il y a plein de petites quêtes à faire. En fait, j'ai envie de faire les quêtes annexes avant d'avancer dans l'histoire principale. Parce que les quêtes annexes, ça me ferait monter des niveaux. Et monter des niveaux, ça me permettrait de choper d'autres compétences. Écoutez, ça fait combien de temps, là? Écoutez, on va s'arrêter ici. Je vous dis à la prochaine. On a pas mal de choses à faire. Vous voyez, tous les points d'exclamation, c'est toutes des quêtes annexes. Des portes de corruption. Elle est heureuse parce qu'il neige. C'est sérieux? Oui! Nos combattants les plus valeureux sont morts, oui, estropiés. Bon, allez, à plus tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et salut.